Bien, nous allons reprendre. J'ai examiné lors des deux dernières leçons l'exemple d'une articulation en Australie aborigène entre deux formes de paysage. D'une part, celle qui résulte de la transfiguration in situ réalisée jadis de façon non intentionnelle par des non-humains, les prototypes totémiques ou les êtres du rêve, et d'autre part, la transfiguration in visu par les humains de cette transfiguration in situ dans des représentations mimétiques qui ont pour ambition explicite de reproduire à une autre échelle les traces laissées par les générateurs du paysage, par les prototypes totémiques. Je vais m'interroger aujourd'hui à une forme de schème paysager qui combine également de façon originale la transfiguration in situ et la transfiguration in visu, c'est l'observatoire. En effet, un observatoire, c'est un site qui est aménagé de façon à ce que le regard d'un observateur soit contraint de manière à ce qu'il embrasse un certain type de spectacle offert à sa vue. Il s'agit donc bien de l'aménagement d'un lieu, un aménagement parfois très sommaire, afin qu'il dégage une perspective sur un morceau de pays nettement circonscrit. Mais cette vue devient, du fait du dispositif de cadrage qui l'isole, une sorte d'image qui est presque aussi séparée de son référent physique que l'est une figuration picturale. Les deux sont d'ailleurs parfois combinés, comme les fameux panoramas du XIXe siècle, qui sont, comme vous le savez, des rotondes, enfin c'était le dispositif le plus courant en tout cas, des rotondes sur les murs desquelles une toile peinte représentant un paysage continu était disposée de façon à ce que ce paysage soit visible sur 360 degrés par un observateur situé au centre de l'édifice et légèrement en surplomb. Bon, ça, c'est la bibliographie d'aujourd'hui. Je vais avoir un peu de temps la semaine prochaine pour remettre toute la bibliographie que je vous ai promise sur le site de la chaire. Voilà un exemple typique de panorama. Hein, c'est un panorama restauré, c'est un panorama contemporain, mais qui date de 1881, à La Haye, dans lequel on a, comme vous l'observez, aménagé la transition entre la toile peinte et le point d'observation de façon à ce que avoir l'illusion de la continuité du paysage. Autre panorama qui est très connu, c'est celui de Salzbourg. Comme vous voyez, je ne rechigne pas aux travaux pratiques. Donc, c'est un dispositif intéressant, l'observatoire, et je rappelle qu'Augustin Berck, dont j'avais discuté les thèses, avait rajouté tardivement le critère des observatoires à sa liste des critères permettant d'identifier les civilisations paysagères. Après avoir proposé dans un premier temps, dans son livre « Les raisons du paysage » en 1995, de retenir comme indice pour définir une civilisation paysagère la combinaison de quatre types de représentations, des représentations linguistiques, c'est-à-dire l'existence d'un terme pour dénoter le paysage, des représentations littéraires, chantant les beautés du paysage, des représentations picturales ayant pour thème exclusif le paysage et des représentations jardinières, c'est-à-dire traduisant une appréhension esthétique de la nature. Berck avait adjoint quelques années plus tard les indices livrés par la topographie, en particulier par la toponymie, des termes comme Bellevue, Fairmount, Bella Vista, Mirabeau, etc., et aussi une architecture aménagée pour profiter d'une vue agréable. Il fait cette proposition dans son livre « La pensée paysagère » qui date de 2008.
Le problème, évidemment, c'est que ce dernier critère, l'architecture aménagée pour profiter d'une vue agréable, est très difficile à apprécier. Un observatoire a-t-il été édifié au premier chef pour jouir d'un paysage, pour jouir de la beauté d'une vue, ou bien pour de toutes autres raisons qui peuvent être de surveillance, par exemple, ou bien de communication, d'orientation, d'observation astronomique, d'observation calendaire, etc. Berke lui-même, d'ailleurs, reconnaît implicitement cette indétermination de l'observatoire lorsqu'il évoque, toujours dans son livre « La pensée paysagère », l'Askif berbère, où il prend son petit déjeuner dans un village du Haut Atlas qui fut jadis fréquenté par son père. L'Askif, c'est quoi ? C'est une sorte de loggia qui, du fait de l'étagement des collines et du fait que les villages sont distribués sur les pentes des collines, offre une vue dégagée sur les vallées. Ça, c'est la photo de l'Askif où Berke prenait son petit déjeuner. Un endroit fort agréable, à l'évidence. Mais ça n'a rien d'un belvédère, car la vue porte sur le seul terroir du village, et de l'aveu même de ses habitants, selon ce que nous dit Augustin Berke, l'Askif n'a d'autre fonction que de surveiller les champs. Là encore, il faut prêter attention à ce que les gens disent et à ce que les gens font avant de projeter des perceptions du paysage que nous avons nous-mêmes accumulé au fil du temps, du fait du façonnement, d'une esthétique qui nous est tout à fait particulière. Et donc, avant d'induire ce genre de perception paysagère de la simple présence d'un observatoire, il faut faire une enquête. Et dans certains cas, la conclusion est simple et immédiate. Les gens sont indifférents à une vue qui porte au loin, et il le montre sans équivoque. C'est par exemple le cas de photos qu'une jeune doctorante en ethnologie de l'Université catholique de Louvain, Charlotte Breda, a eu la gentillesse de me faire parvenir, et qui rendent tout à fait visible, et même de manière spectaculaire, le contraste d'implantation dans la même région, c'est-à-dire c'est la rive nord du golfe du Saint-Laurent, qu'on appelle la côte nord dans cette région du Québec, entre les chalets des Euro-Canadiens qui sont construits au bord du rivage et ceux des Amérindiens Innus, qu'on appelait jadis les Indiens montagnais. Les uns et les autres sont donc édifiés, ces constructions sont édifiées au bord du littoral, mais tandis que les chalets Euro-Canadiens sont construits presque sur la plage, pour ménager la vue la plus large possible sur la baie, les chalets Innus sont légèrement en retrait, leur vue vers le large, bloquée par les arbres. Donc, voilà ces photos de Charlotte Breda. Donc ça, c'est un chalet euro-québécois, euro-canadien, qui est construit d'ailleurs très très près du littoral et dont on peut supposer qu'il va finir par s'écrouler comme ces villes-là qui ont été édifiées sur la côte normande au début du XXe siècle et qui sont peu à peu dans la falaise, au bord de la falaise minée par la mer. Et ça, c'est le chalet Innus. Alors, il n'est pas à côté du chalet précédent, il s'agit d'une plage qui est un peu plus loin, mais c'est dans une réserve Innus qui est également au bord du golfe du Saint-Laurent. Vous voyez donc que la vue n'est pas véritablement ce qui préoccupe au premier chef le propriétaire de ce chalet. Voilà le chalet de plus près. Les Innus n'éprouvent aucun attrait pour le paysage du littoral, car leur identité spatiale, le territoire dans lequel ils se reconnaissent, ce n'est pas le bord du Saint-Laurent, c'est la forêt. Du reste, s'ils résident à présent au bord du golfe du Saint-Laurent, sur la côte nord, c'est parce que les Blancs les ont sédentarisés là, et pas du tout de leur propre chef. Donc ils sont indifférents aux vues sur le large, et ils recréent d'une certaine façon, sur le littoral, à la grande surprise de leurs voisins euro-canadiens, le milieu forestier qu'ils apprécient avant tout. Dans d'autres cas d'observatoire, on en est réduit aux conjectures, faute d'informations complémentaires.
Un bon exemple, je vous l'ai déjà montré dans un cours précédent, c'est celui de la fameuse roche sacrée de Machu Picchu. C'est un énorme rocher qui a été entouré d'une banquette de pierre pour le délimiter, et ce rocher a été subtilement manipulé de façon à ce que son contour imite celui de la montagne Yanantin à l'arrière-plan, et en quelque sorte redouble le profil de cette montagne en miniature. Il fait garde de doute ici que les aménagements de ce site Inca ont été faits de façon à ce que le spectateur puisse embrasser, à partir d'un point de vue très précisément localisé, la continuité des formes entre le premier plan et l'arrière-plan. Est-ce qu'il s'agit d'un paysage ? On est bien embarrassé pour répondre à une telle question. Il est tentant de le croire, en effet, et de voir dans cet effet de superposition entre la montagne sacrée à l'arrière-plan et son écho mimétique au premier plan, le désir de rendre ostensible une correspondance entre microcosme et macrocosme, sans que l'on sache d'ailleurs vraiment si c'est la roche sacrée qui représente la montagne, au sens où elle serait son substitut, son émissaire, la représentant comme un diplomate représente son pays, dans l'enceinte impériale, ou si c'est au contraire la montagne qui est comme la projection à l'extérieur, sur l'horizon de la roche sacrée. On aurait donc peut-être ici un paysage fondé sur un double mouvement de transfiguration, in visu et in situ, dans lequel une montagne divinisée, vue depuis un observatoire aménagé, devient une image homologue à celle de la montagne miniature que l'on a érigée sur ce site. Le rapport d'interdépendance entre les deux images jouant évidemment sur la différence d'échelle. C'est une hypothèse plausible au vu de ce que nous savons déjà de la religion Inca, mais au fond, nous n'en avons aucun document, à ma connaissance en tout cas, qui permette d'étayer cette hypothèse. Donc, une grande difficulté pour beaucoup de cas d'observatoire à déterminer s'il s'agit véritablement d'un observatoire au sens d'un lieu qui permet une transfiguration in visu d'un morceau de pays. Une autre difficulté avec le critère de l'observatoire comme un indice d'une perspective paysagère, c'est que beaucoup d'observatoires ont une fonction astronomique et qu'il n'est pas toujours aisé de décrypter la fonction de l'observatoire ou en tout cas de départager l'observation de l'horizon à des fins calendaire, par exemple, et l'observation d'un paysage. C'est ce qu'on va voir maintenant avec l'exemple des Hopis. Dans un excellent petit livre sur les Hopis, qui s'appelle « Les Indiens Hopis d'Arizona » de Patrick Pérez, qui est à la fois, je le souligne, architecte et ethnologue, Pérez consacre un chapitre à tenter de montrer qu'il existe bien un paysage chez les Indiens Hopis. Il fait valoir pour cela deux types de faits. D'une part, les faits qui concernent les opérations de miniaturisation rituelle du monde, du cosmos, dans des cérémonies qui sont réalisées dans la Kiva, qui est à la fois un lieu de réunion des hommes et le lieu principalement où se tiennent les cérémonies, principalement masculine, mais pas exclusivement. Donc cet aspect-là, la miniaturisation rituelle, d'autre part, les faits qui concernent l'observation et la nomination d'objets saillants à l'horizon, vus depuis un point fixe. Donc je m'intéresserai à cette question des modèles réduits que j'évoquais à l'instant du cosmos tels qu'ils sont pratiqués dans le monde Hopi dans une leçon ultérieure qui sera consacrée à la miniaturisation iconique. Je vais discuter à présent seulement
la question des points de vue embrassés depuis un observatoire. Alors, rappelons d'abord que les Hopis, comme leurs voisins amérindiens de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, les Zuni, les Tao, les Acoma, etc., ont été désignés par les Espagnols avec un terme générique de pueblos. Et ils ont reçu ce nom de pueblos du fait de leur habitat tout à fait singulier. Ce sont des villages compacts de pierre et de terre crude, d'adobe, où les constructions rectangulaires au toit en terrasse sont superposées et imbriquées les unes dans les autres, éclairées par de rares ouvertures et des ouvertures très étroites, et traditionnellement accessibles seulement ces maisons, ces édifices, par le biais d'échelles descendant par une ouverture au centre de la terrasse, et non pas par des portes comme nous y sommes habitués. Les 11 villages Hopi sont situés sur 3 mesas, c'est-à-dire 3 presqu'îles qui prolongent un plateau d'altitude dominant la plaine, parfois d'une hauteur qui peut excéder 100 mètres, une plaine semi-désertique parcourue par de rares ouèdes, et qui sont asséchés comme tous les ouèdes d'une partie de l'année, et par des canyons au fond desquels des terrasses permettent ça et là de cultiver du maïs, des courges et des haricots. Donc voilà les 3 mesas. Hein, les 2 premières sont dans le prolongement du plateau, hein, donc c'est des avancées, c'est pour ça que je parlais de presqu'île. La dernière est détachée par un effondrement, le plateau est là. Les villages, jadis situés en contrebas des mesas, se sont établis sur les mesas pour des raisons défensives, probablement entre le XIe et le XIIe siècle, position de repli qui s'est accentuée avec la conquête espagnole et les nécessités de protection, et ces villages n'ont depuis lors plus bougé. Un exemple classique de Hualpi, qui est un village très connu de la première Mesa. On voit bien l'architecture avec effectivement des escaliers, c'est un peu comme dans une casbah, on rentre par le toit et les villages ont relativement peu bougé, ils ont bien sûr été transformés, mais notamment Hualpi a été restauré, comme on peut le voir. Quelques ouvertures supplémentaires ont été ménagées, mais évidemment la position en surplomb demeure. Des hivers très froids, des étés terriblement chauds et secs, l'eau rare, le manque de terres fertiles ont longtemps rendu la subsistance des Hopis difficile, erratique, de sorte que l'on ne sera pas surpris d'apprendre qu'il prête une grande attention au cycle climatique et calendaire. Car du fait de la longue période de gelée nocturne qui peut durer de décembre à avril, comme de la canicule qui frappe régulièrement de juin à août, il est crucial de planter le maïs, qui est la plante principale, au moment opportun. Cette plante, qui continue à être l'aliment privilégié des Hopis, a besoin d'au moins 3 mois de croissance, comme vous le savez. Si on la sème trop tôt, les semences vont geler. Si on la sème trop tard, la plante sera grillée par le soleil à sa maturité. Donc savoir à quel moment exact planter le maïs, mais aussi évidemment les autres cultigènes, est impératif, parce qu'une erreur de quelques jours pourrait aboutir à la perte de la récolte et, évidemment, jadis, aboutissait à de terribles famines. Pour faire face à ces extrêmes climatiques, les Hopis ont utilisé divers moyens, l'irrigation, la sélection de variétés adaptées à la sécheresse, des terrains de culture exposés à différents types de microclimats de façon à maximiser l'usage de l'environnement, et la mise au point d'un calendrier de plantation
d'une très grande précision. Avant la généralisation des calendriers euro-américains, type calendrier des postes, l'IOPI utilisait deux calendriers, le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Le calendrier lunaire permettait de situer approximativement un événement dans le temps en référence aux quatre phases de la Lune, le temps restant par exemple avant une cérémonie ou le délai de remboursement d'une dette. Donc telle chose se passera dans temps de lunaison. Le calendrier solaire, quant à lui, permet de se situer précisément dans l'année en repérant la position du lever et du coucher de soleil sur l'horizon. Et ce repérage est fondé sur l'amplitude dite ortive et l'amplitude dite occase, c'est-à-dire sur l'arc parcouru à l'horizon par le soleil au lever, amplitude ortive, au coucher, amplitude occase, entre deux solstices, du fait évidemment de la déclinaison sur l'écliptique. Donc les repères utilisés pour suivre ce mouvement doivent évidemment être très visibles, et visibles de loin, ce qui, du fait, de la position dominante des villages est toujours le cas. On le voit ici aisément à partir de la ligne d'horizon telle qu'elle se présente. Ce sont généralement des accidents du relief qui servent de repère, des failles, des pitons, des cols, des éboulis, mais aussi des constructions humaines, notamment des ruines, voire des tertres ou des cairns qui sont édifiés de propos délibérés pour servir de repères. Ces repères sur l'horizon, qui sont parfois situés à une trentaine de kilomètres, sont donc des marqueurs temporaires ou temporels dont Eckhart Malotki, dans un livre très classique sur les Hopi qui s'appelle Hopi Time, qui est une analyse des façons Hopi de marquer le temps, dont Malotki donc a étudié les usages en reprenant notamment une littérature importante ethnographique sur cette question depuis qu'on étudie les Hopi, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, en particulier un travail qui est fondamental, celui d'un ethnographe qui s'appelle Alexander Stephen, dont le journal de terrain, qui s'appelle Hopi Journal, tout simplement, a été publié dans les années 30. C'est un journal qu'il a tenu de plus de 1000 pages de son séjour chez les Hopi dans la dernière décennie du 19e siècle. Alors, le repérage des positions du soleil au lever et au coucher sur l'horizon permet de déterminer tant le calendrier agricole que le calendrier rituel. Pour ce qui est du calendrier rituel, il est confié à des membres de la communauté qu'on appelle Tawat au Taita, c'est-à-dire littéralement « ils regardent le soleil » et dont la mission était d'observer les levées du soleil du solstice d'hiver au solstice d'été, puis les couchers du soleil du solstice d'été au solstice d'hiver. Depuis un point particulier, soit le toit de la maison du chef du village, soit celui du chef d'un clan qui avait une importance particulière sur le plan religieux, lieu donc ou site d'observation qui devenait l'observatoire de la communauté. Ces spécialistes n'étaient pas seulement des hommes dotés d'une vue exceptionnelle et aussi d'une mémoire exceptionnelle, ils étaient rompus également au calcul astronomique, puisque beaucoup de dates religieuses ne sont pas directement observables, soit parce qu'il n'y a pas de repère pour le jour où elles tombent, sur la ligne d'horizon, soit parce qu'au solstice, évidemment, le soleil semble s'immobiliser pendant plusieurs jours avant de reprendre sa course dans l'autre sens. Donc il faut pouvoir calculer les dates en ajoutant des jours en nombre variable lors du passage du soleil par certains repères.
Notons par ailleurs que l'observation des sols levés du soleil à l'est jusqu'au solstice d'été et ensuite des sols couchés du soleil à l'ouest jusqu'au solstice d'hiver a comme effet de permettre de suivre le déplacement de l'astre sur l'horizon toujours dans le même sens, au lieu de faire, si on examinait toujours les levées ou les couchées, une sorte de va-et-vient, et suivre le lever puis le coucher, donc le mouvement du soleil toujours dans le même sens, c'est-à-dire vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est important pour les Hopis parce que c'est le sens qui est faste, à la différence d'aller vers la gauche est faste, et non pas comme chez nous, en général dans le monde méditerranéen, aller vers la droite. Le calendrier agricole suit les mêmes principes, sauf que son repérage est aussi ouvert à de simples villageois. Alors, voilà un exemple. Stephen donc, était quelqu'un de très méticuleux, et non seulement il a fait des relevés de l'horizon depuis sa maison avec des relevés à la boussole, bien sûr, mais il a aussi identifié très précisément, à partir du site d'observation de ce village de Tewa, jadis appelé Anno, dates, certaines des dates marquantes. En fait, il y a plusieurs planches dans son livre, je n'en ai pris ici qu'une à titre d'exemple. Donc Stephen a noté là les positions de lever du soleil à Tewa en 1893, selon les indications qu'elles fournissent. Le point rouge signale le repère du solstice d'été, qu'on appelle Pabokiaki. Le point vert, ici, signale le repère Quichala, qui indique la date de plantation pour les variétés communes de maïs, tandis que le point... Je l'ai mis à l'envers. Là, c'était le solstice, et le point rouge... Ah non, c'est bien ça. Le point bleu, excusez-moi, le point bleu signale le repère Neve Ukshomo, qui indique la date de plantation pour la variété Tawakte de maïs. Or, comme le remarque très justement Patrick Pérez dans le livre auquel je faisais référence, il y a parfois un découplage dans les repères du calendrier solaire entre un site en soi et le site tel qu'il est regardé depuis un observatoire, puisque le nom que ce site reçoit comme marqueur temporaire peut être distinct du toponyme au moyen duquel on le désigne ordinairement. Autrement dit, les mêmes lieux sont traités différemment, à tout le moins sur le plan lexical, selon qu'ils sont pris isolément comme un endroit où l'on peut se rendre, ou bien au contraire, selon qu'ils sont juxtaposés sur l'horizon à partir d'un même point de vue et intégrés dans un système de compute du temps. C'est comme si on donnait un nom différent à la tour Eiffel lorsqu'on va monter dedans ou lorsqu'on la voit depuis le lointain. Et c'est ce découplage lexical qui signalerait, selon Pérez, l'existence d'une vue d'ensemble de l'environnement témoignant d'une construction paysagère. Il me semble, quant à moi, qu'un point de vue stabilisé ne suffit pas à faire un paysage s'il n'y a pas de transfiguration véritable, c'est-à-dire si l'ensemble du spectacle embrassé par le regard à partir d'un observatoire ne devient pas, pour ceux qui l'observent, le signe global d'une autre réalité spatiale. Et à l'évidence, ce n'est pas le cas avec la ligne d'horizon segmentée des Hopis. Elle est composée de ce que les marins appellent des amers, c'est-à-dire des repères remarquables permettant de s'orienter, dont chacun est ici un signe indiciel du passage du temps, un signe qui est non seulement séparé nettement de ceux dont il est
voisin, mais qui doit même demeurer absolument isolé dans sa singularité, si précisément il doit continuer à fonctionner comme l'indice d'une seule position temporelle. Autrement dit, il doit être vu comme un élément isolé. Et l'ensemble de ces signes discrets forme certes la base physique d'un calendrier, mais un calendrier, ce n'est pas un paysage. Le paradoxe dans le cas présent, c'est que l'on peut sans aucun doute repérer des schèmes paysagers chez les Hopis, mais pas dans leur façon d'embrasser un point de vue depuis un observatoire. On en trouve plutôt la trace, comme Patrick Pérez l'a aussi fort bien noté, dans les opérations de miniaturisation du monde réalisées dans l'Akiva que j'évoquais il y a un moment, au moyen d'artefacts mimétiques. On va reproduire en trois dimensions le monde à une autre échelle, lesquels sont bien des transfigurations in visu, c'est-à-dire des représentations de paysages à échelle réduite. Encore une fois, je reviendrai sur ce thème dans une leçon ultérieure. En outre, les Hopis voient aussi leur environnement présent comme le produit d'actions précises menées jadis, en des sites précis, par des divinités, par des héros, qui transformèrent un disque terraqué, mou, informe et sans couleur, en un paysage grandiose, bigarré, bordé de hautes montagnes, drainé par des canyons profonds, peuplé de rochers aux formes fantastiques, etc. Donc, à l'instar des aborigènes australiens, on a vu le cas la semaine dernière, ou la semaine d'avant plutôt, les Hopis appréhendent donc le milieu où ils vivent comme une transfiguration in situ. Mais une transfiguration de nature intentionnelle dans le cas présent, puisqu'elle est, à la différence du cas australien, elle a été réalisée par des démiurges, certes en partie au moyen des empreintes qu'ils ont laissées sur le paysage, par leurs actions, mais aussi en le façonnant, ce paysage, les descriptions dans les d'origine, si on veut, les récits théologiques, disons, sont extrêmement précises en le façonnant, en empilant des choses, en forant, en tissant aussi, en apposant des couleurs avec des pigments de façon à donner des couleurs au monde. Donc il y a vraiment une entreprise de façonnement qui va au-delà des traces indicielles laissées par les êtres du rêve sur le paysage en Australie. Donc une cosmogénèse, ou une genèse du paysage, qui est tout à fait délibérée, mais ça, c'est une très longue histoire, et je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ce que je voudrais donc souligner, c'est qu'il y a bien transfiguration in situ par des êtres originaires, si vous voulez, mais je doute fort que l'on puisse parler de la lecture de l'horizon calendaire comme d'un indice d'une perception paysagère. Je préfère me tourner à présent vers un cas où des points de vue signalés par des constructions indiquent très vraisemblablement l'existence d'une transfiguration paysagère. C'est un cas qui nous avait été présenté, pour ceux d'entre vous qui suivaient mon séminaire, l'année dernière, séminaire du jeudi, par Romain Simnel. Un cas donc sur lequel je voudrais maintenant revenir. Je m'inspire ici de la monographie que Romain Simnel a publiée sur, non pas spécifiquement sur cette question, qui s'appelle « L'origine est aux frontières » en 2010, et qui est consacrée à une population berbérophone du sud du Maroc, les Ait Ba'amran. Dans cette partie du sud-ouest du Maroc, les traces laissées par les saints, et notamment les mausolées qui sont consacrées aux saints, constituent des frontières entre des groupes humains qui peuvent être vus à partir de points d'observation comme, en quelque sorte, des points qui sont alignés les uns par rapport aux autres et qui entrent en résonance les uns avec les autres. Et chacun de ces observatoires permet
d'embrasser par la vue un espace qui correspond à la zone d'influence d'un saint, donc le territoire où sa renommée est reconnue. C'est le pays que le saint transfigure en y déployant sa baraka. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Le cadre, donc, c'est une confédération tribale de l'anti-atlas occidental, les Ait Ba'amran, dont le territoire s'étend depuis les hauts plateaux montagneux jusqu'au littoral atlantique. Voilà, donc c'est situé ici, hein, tout à fait au sud du Maroc, et ici, et c'est le territoire qui va donc des contreforts de l'anti-atlas jusqu'au littoral. Dans cette partie du Maroc, comme au fond dans tout l'islam maghrébin, le saint joue un rôle très important dans la structuration des identités locales. Il s'agit d'un homme pieux, décédé en général il y a longtemps, plusieurs siècles, et qui, de son vivant, comme après sa mort, est porteur de baraka, c'est-à-dire de bénédiction divine, ce qui lui permet de jouer le rôle d'intercesseur entre Dieu et les hommes. Et à ce titre, le saint apporte la fécondité aux champs, la fertilité aux femmes, la protection des nouveau-nés, la guérison des malades, le salut pour les pauvres, etc. Les descendants du saint, les Tchorfa, sont aussi pourvus de baraka et vivent pour la plupart groupés en communauté autour du tombeau de leur ancêtre ou sur l'une de ses terres, et ils transmettent pieusement les récits hagiographiques célébrant ses accomplissements. La principale caractéristique des saints dans le pays Ait Ba'amran, c'est qu'ils viennent toujours de l'extérieur. On raconte d'eux qu'ils ont sillonné le Maroc à la recherche d'une terre d'élection, de providence, et ils ont fini par s'enraciner dans un lieu particulier, souvent se marier avec la fille d'un autochtone, ce qui est un modèle assez classique, plus généralement en Afrique d'ailleurs. Certains seraient même venus de très loin, d'Andalousie, de Tunisie, même d'Éthiopie, soit parce qu'ils étaient bannis de leur communauté d'origine, soit parce qu'ils étaient partis étudier très loin, dans des centres de savoir. Dans tous les cas, l'origine allochtone des saints est soulignée, car la baraka doit toujours venir de l'extérieur et du plus loin possible. Cette extériorité est redoublée par le fait que la grande majorité des saints et de leur descendance se réclament d'une filiation de la famille du prophète Mohammed par l'intermédiaire de son gendre, Sidna Ali ibn Taleb, ou d'une filiation avec le premier calife, Boubacar, ou avec le quatrième calife, Omar. Donc le pays Ait Ba'amran se voit ainsi connecté par ses saints à un très grand espace historique et géographique qui va de Médine à l'époque du prophète jusqu'aux pérégrinations des saints dans le territoire de la confédération tribale. Cette connexion aux saints, elle est tout à fait physique, puisque ces derniers sont présents dans le territoire par le biais de multiples mausolées. Mais au-delà même de ces mausolées, donc de petites constructions qui sont souvent des simples chambres funéraires en terre ou des tombes éparses entourées d'un cercle de pierre, où il arrive même d'ailleurs que le saint n'ait pas lui-même été enterré, il y a aussi d'autres marques de leur présence, des puits qu'ils auraient creusés, des cairns et des arganiers qu'ils auraient plantés. On est dans la région de la culture des arganiers, dont les fruits donnent l'huile d'argan. Et donc, le paysage est parsemé de ces marques laissées par les saints. Donc, voilà un mausolée.
un arganier d'un saint, dont, pour lequel donc, il est impératif de marquer le caractère singulier du fait, et donc c'est pour cela qu'il est entouré d'un mur, un cairn de saint, par exemple, où l'on vient spécifiquement traiter les douleurs musculaires, un autre cairn de saint dont vous voyez qu'il est situé dans un endroit d'où la vue embrasse un très ample panorama. Les saints les plus célèbres, à savoir ceux qui sont connus à l'échelle de toute la confédération tribale, ont tous leur tombeau situé le long des frontières des unités segmentaires du territoire. On va le voir ici avec cette carte. Donc, les mausolées sont désignés par une étoile. C'est une confédération tribale, donc chaque tribu est désignée ici les frontières de ces tribus sont marquées. Et les mausolées sont situées toujours aux frontières. Les seuls cas où ils ne sont pas situés aux frontières, comme ici ou ici ou ici, eh bien, ils sont situés aux frontières des segments internes des tribus. Donc, ils sont toujours, toujours situés sur les frontières. Donc, comme on peut le voir ici, cette confédération Aïdba Amran est subdivisée, est composée de 6 tribus, subdivisée en fractions. Et, comme je l'ai dit, les saints se sont établis à la périphérie des tribus. Les frontières segmentaires sont ainsi partout soulignées, en quelque sorte, par le nom des saints, incarnées dans des mausolées qui font office de toponymes. En outre, parmi ces saints, certains sont regroupés en familles qui ont chacune leur spécificité géographique. Par exemple, les mausolées ou cercles de pierre des saints Ida ou Simelel sont situés sur les plus hauts sommets, tandis que ceux des saints Oulen Ben Sba bordent les principales criques accostables des côtes et les embouchures des ouèdes les plus importants. Autrement dit, non seulement les mausolées sont des marqueurs de frontières, mais les mausolées de certaines familles de saints sont aussi des marqueurs associés à certains types d'environnements ou de sites géographiques. Par ailleurs, le maillage des puits, des cairns et des arganiers associés aux saints est beaucoup plus dense, évidemment, que celui des mausolées, de sorte qu'ils permettent, outre un balisage des frontières, une restitution qui est à la fois spatialement fidèle des pérégrinations des saints, mais qui est aussi historiquement infidèle de leur rencontre entre eux, puisque la plupart de ces saints n'ont pas vécu aux mêmes époques. Autrement dit, les sites qui sont réputés attester de la coprésence en un même lieu de saints ayant vécu dans des siècles différents engendrent une sorte de synchronisation spatiale, de nappe de baraka, dont les origines chronologiques sont pourtant séparées dans le temps. Les itinéraires frontaliers d'arrivée des saints en pays Aït Bahamran sont commémorés rituellement chaque année lors de pèlerinages qui sont organisés en général par les Talbas, c'est-à-dire les étudiants en sciences coraniques, des différents madrasas, à l'occasion de fêtes de réjouissance, qu'on appelle des moussems de prière, et qui diffèrent des moussems ordinaires, qui sont des fêtes ou des marchés de commémoration d'un saint, par le fait qu'ils sont exclusivement dédiés à la prière, qui ne sont généralement pas accompagnés d'une fête ou d'un marché. Et de fait, ces pèlerinages vont suivre le trajet du saint en passant par les puits, les cairns et les arbres dont il serait à l'origine, chacune de ces étapes offrant
l'occasion de réciter des prières et de recharger en quelque sorte en baraka les balises de l'itinéraire menant au mausolée. En ce sens, la présence des saints sur le territoire se matérialise au moins autant par des itinéraires que par des sites, puisque c'est la mobilité de ces grandes figures dispensatrices de baraka, reproduites chaque année dans des pèlerinages, qui délimite au fond l'espace des sédentaires. Toutefois, le mausolée est important sous un autre aspect. C'est là qu'est condensée la baraka du saint, qui va libérer en mourant, et qui va donc se sédentariser en quelque sorte dans l'édifice et dans ses alentours immédiats. De la sorte, le mausolée commémore l'aboutissement d'un itinéraire géographique et spirituel dont le souvenir est relayé par les cairns, par les arganiers, par les puits frontaliers, aboutissement qui clôt heureusement le pèlerinage, qui est aussi d'une certaine façon la reconstitution d'un paysage, par l'occasion qu'il fournit de participer de la baraka du saint et des bienfaits que dispense cette baraka. Qu'il s'agisse d'un cairn, d'un arganier ou d'un mausolée, toutes les marques du saint sont qualifiées d'akdal, un terme sur lequel je vais revenir. Un akdal, c'est une zone mise en défense, c'est-à-dire un espace, sanctuaire, où certaines actions et certains usages sont prohibés, par exemple la pâture des troupeaux ou la cueillette des fruits d'arganier. C'est un peu un équivalent de ce que, en Polynésie, on appelle les espaces tabous, c'est-à-dire des espaces qu'on va frapper pendant un certain temps, d'une interdiction d'usage. Les frontières segmentaires de la Confédération Ait Bamran sont ainsi jalonnées par des portions d'espace protégées et fermées. La surface mise en défense, la surface de l'Agdal, varie selon le point de référence. Si c'est un cairn, par exemple, si c'est un puits, si c'est un arganier, elle n'excède pas une dizaine de mètres. Après, la prohibition tombe. Mais la zone akdal d'un mausolée peut couvrir toute une vallée ou toute l'embouchure d'un oued. Donc l'espace sanctuaire est perçu comme un coin, comme un angle, zawiya en arabe ou tigmert en tachélite, la langue berbère, c'est-à-dire un espace de réclusion et de prière aux confins du territoire, un angle, donc au sens littéral, un angle d'où la vie se perçoit différemment, pour reprendre une belle formule d'Abderrahman Moussaoui à propos d'espaces similaires dans le sud-ouest algérien. Donc notons cette idée d'un angle de vue que le sanctuaire propose et qui se traduit lexicalement dans le terme par lequel on désigne cet endroit. J'y reviendrai dans un moment. Je voudrais d'abord souligner un dernier trait des sanctuaires du saint qui en font des lieux tout à fait singuliers. Ce sont les lieux favoris des jnouns, c'est-à-dire des génies invisibles dont le monde est analogue à celui des humains et qui furent jadis convertis à l'islam par les saints. De ce fait, les jnouns, pluriel de djinn, domestiqués par les saints, font fonction de gardiens des sanctuaires et y maintiennent le caractère sacré de la mise en défense, de l'akdal, notamment en faisant quoi ? En désorientant les intrus animés de mauvaises intentions. Et par là se confirme que le sanctuaire offre un point de vue différent sur le monde. Aux gens pieux, le sanctuaire permet
d'entrer dans l'intimité du saint, de bénéficier de sa baraka. Pour les gens mal intentionnés, il est cause d'une perte de repère et de la chute dans l'illusion que les genoux provoquent. Bref, le sanctuaire ouvre soit sur l'ailleurs mystique et lointain dont le saint est originaire, soit sur la déspatialisation et la perte de repères résultant de l'intrusion dans le domaine des Jnun. Donc d'un côté, on a une expansion cosmique, et de l'autre, on a une expérience acosmique, d'une certaine façon, de privation de cosmos, pour reprendre un terme que Augustin Berg, que j'évoquais tout à l'heure, avait proposé. Alors peut-on parler de paysage à propos de ces espaces imbus de la présence des saints, des espaces qui sont de ce fait séparés du lot commun, mis en défense, soumis à ce que dans d'autres contextes culturels, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on appellerait des tabous. Il semble bien que oui, on puisse parler de paysage, car chacune des marques associées à un saint, un mausolée, un arganier, un puits, un cercle de pierre, un cairn, etc., peut être vu comme l'indice de la transfiguration in situ que cet homme a opéré et dont les effets perdurent jusqu'à présent au bénéfice de tous. En quoi consiste, enfin des gens purs en tout cas, en quoi consiste au juste cette transfiguration? C'est d'abord la domestication d'un site et de ses occupants non humains, les jnun, les plantes, les pierres, etc. C'est-à-dire, littéralement, une conversion qui fait de ce lieu tout entier le signe de la présence divine médiatisée par le saint. Donc le paysage résulte ici d'une imprégnation par la baraka de tout ce qui se situe dans le périmètre circonscrit de l'Akdal. N'oublions pas d'ailleurs que l'Akdal, la zone mise en défense autour des marques de saints, est l'un des modèles conceptuels pour le jardin arabe et peut-être le plus significatif au Maroc. La dynastie berbère, Almohade, a implanté les Akdal dans la ville, le premier à Marrakech en 1157, et c'est donc une combinaison de jardins vivriers, de jardins d'agrément, de jardins d'apparat, dont le concept va voyager tout autour de la Méditerranée, notamment en Andalousie et en Sicile. Donc entre l'Akdal des sultans, enclos de murailles, parsemé de fontaines, et le cercle de pierres délimitant l'Akdal dans les montagnes du pays Ait Amran, il y a une différence de degré, mais il n'y a pas de différence de nature. C'est le même principe. L'un et l'autre sont des transfigurations in situ, opérées par des saints ou rendues possibles par leur présence. Deux images d'Akdal, l'une familière, si je puis dire, qui est l'Akdal du sultan à Marrakech, et l'autre, c'est un Akdal beaucoup plus banal, planté d'arganier dans le pays Ait Amran. Et le principe de la circonscription, de la mise en défense, dans les deux cas, demeure. En outre, les lieux associés à un saint sont aussi des transfigurations en ce qu'ils constituent le point ultime des pérégrinations que ce saint a entreprises et qu'il récapitule physiquement. Si vous voulez, chacun de ces points va récapituler physiquement tout l'itinéraire dont le mausolée est l'aboutissement. Chaque mausolée, d'une certaine façon, est l'indice d'une connexion avec des lieux très lointains en terre d'islam, puisque, encore une fois, le saint est venu de très loin,
un microcosme qui reflète ou qui réfracte un aspect du macrocosme. Chaque lieu récapitule en quelque sorte tout l'itinéraire que le saint a accompli pour parvenir à cet endroit. Mais il y a plus. L'un des grands mérites, je crois, de l'étude de Simnel sur les sanctuaires du pays Ait Bahamran, c'est d'avoir mis en évidence que les étapes balisant le parcours des saints constituent autant d'observatoires permettant d'avoir un aperçu sur son mausolée et donc permettent de réaliser un pèlerinage par la vision et même en récapitulant mentalement les points de vue par la pensée. On peut faire un pèlerinage en suivant les différentes étapes de l'itinéraire du saint pour aboutir jusqu'à son mausolée, et c'est un pèlerinage qu'on peut faire par la pensée. En effet, il n'y a pas que les Telba, les étudiants en sciences coraniques, qui vont en pèlerinage au sanctuaire frontalier. Les mausolées, les cairns, les arganiers, les puits de saints font l'objet de nombreux rituels, allant de la simple visite individuelle, en passant comme ça, qui se donnera l'occasion d'une prière, à une commémoration collective dont la raison d'être affichée est toujours de capter la baraka du saint. Pour ce faire, on fait des dons au saint et aux jnoun du lieu, qui sont les intermédiaires du saint, un pain de sucre, des bougies des aliments divers, voire un sacrifice de poule, voire de bœuf, pour les grands rituels, dans les sanctuaires importants, ou plus simplement un morceau de pain, une poignée de graines, une courte prière, donc psalmodier, en passant ou lors d'une halte près d'un cairn. Or, d'un point de vue rituel, les cairns et les arganiers de saints sont appréhendés comme, en quelque sorte, les ambassades des mausolées dont ils portent le nom, les représentants. Prenons l'exemple de sanctuaires à la frontière nord-ouest du territoire. Comme on peut le voir, le mausolée du saint Sidi Mohamed Ben Abdallah se trouve ici à l'embouchure de l'oued, donc au bord de la mer. Cet oued fait la frontière entre deux tribus, Ait Sahel, Ait Nes. Ce mausolée, il est représenté en amont sur le territoire du douar de Tak, village de Tak, si vous voulez, par des cairns, un ici, un autre ici, et qui n'est pas figuré aussi, par un grand arganier. Tous les trois portent le nom du saint, or l'arganier et les deux cairns. Or, la particularité de ces cairns et de cet arganier, qui sont perchés en altitude, on a les courbes de niveau hein, ici, c'est que l'on peut, à partir de chacun d'eux, observer au loin le mausolée du saint. La vue porte donc jusqu'ici. Vous voyez, enfin, la distance n'est pas très grande. Hein. Enfin, c'est quand même une quarantaine de kilomètres. En effet, les trois, les deux cairns et l'arganier, sont parfaitement alignés dans l'axe du mausolée. Donc, prier près de l'un de ces cairns en regardant le mausolée équivaut à un pèlerinage au mausolée et permet de ce fait de bénéficier de la baraka du saint. Autre exemple, le mausolée de Sidi Mohamed ou Ali, qui était également à proximité du douar de Tak, donc il est ici, est relayé par un cairn qui le surplombe, hein, ici, d'une trentaine de mètres, afin qu'il puisse être visible d'autres cairns plus lointains dans le but de pouvoir y déposer des offrandes et de bénéficier ainsi de la baraka du saint. C'est-à-dire que
le mausolée lui-même n'est pas visible, n'est pas facilement visible. En revanche, le cairn est visible. On peut le voir d'autres cairns plus lointains. Donc, chaque cairn est un observatoire qui fonctionne ainsi comme un relais visuel vers le mausolée du saint. Et prier près d'un cairn en regardant un autre cairn dans le lointain, d'où est visible un troisième cairn, d'où l'on a une vue sur le mausolée, même si on ne le voit pas du cairn auprès duquel on est, permet d'être physiquement présent dans le mausolée du saint. Donc ce ricochet le long des observatoires est une manière d'accomplir le pèlerinage en suivant l'itinéraire du saint par le regard, puis là où la vue s'arrête, en suivant l'itinéraire du saint en imagination, par la pensée, par la remémoration des étapes visuelles. Et on peut supposer qu'à certains moments, les gens qui font cette remémoration ont parcouru ce trajet, mais ça permet notamment aux gens qui ne peuvent pas se déplacer de faire le pèlerinage par ces ricochets, encore une fois, le long des cairns. Vous voyez une image ici d'un alignement de cairns. Donc, je suis entouré d'un point rouge. Le cairn est ici, et il y en a d'autres en contrebas, derrière. Sur toute la distance parcourue par le regard et par le souvenir s'étend le horm du saint. C'est un terme qui vient de l'arabe haram et qui désigne la nappe de charisme qu'il a laissée derrière lui et à laquelle le dévot, la personne pieuse, peut participer par ses dons, par sa piété, par la vision qu'il acquiert de l'espace où l'influence du saint dessine les contours d'un paysage. Car avec les observatoires du pays Ait Ba'amran, on peut parler aussi de paysage, mais comme une transfiguration in visu, cette fois, c'est-à-dire génératrice d'un schème visuel paysager qui définit ce qu'il est loisible de regarder dans un morceau de pays offert à la vue, et la manière de le faire, et notamment l'orientation du regard et les dispositions réceptives du spectateur. Que ce spectateur embrasse de la vue un champ d'influence immatériel, épousant le relief, et non un spectacle ressemblant à un tableau, importe peu. Car ce qui compte, au fond, c'est que tous voient dans ce qu'il regarde, la même chose. Un morceau de pays baigné par la grâce du saint qui étend sur ce morceau de pays sa bénédiction, autrement dit, une transfiguration au sens absolument littéral. Donc, dans le cas présent, je crois qu'on peut parler de paysage, en tout cas si l'on admet la définition que j'ai proposée du paysage comme une transfiguration in visu. Voilà, je vais arrêter là. Je vous rappelle qu'il y a des vacances de printemps, vacances universitaires de printemps. Le cours va donc reprendre, mais plus tard, le 30 avril. Et on parlera de la question de la figuration des paysages iconiques en trois dimensions, c'est-à-dire des modèles réduits, non pas le paysage comme tableau, mais comme modèle réduit d'un morceau de pays, d'un morceau du monde ou du monde dans son ensemble. Merci.